Au premier plan, nous avons d'abord programmé une prestation de serment du nouveau coordinateur. Alors, pour la nomination, je vais un peu vous parler de l'historique de la nomination du nouveau coordinateur. À un moment donné, quand on était motivé à organiser des élections libres et transparentes, comme on a toujours fait, nous avons lancé un délai de un mois et demi. Nous n'avons pas trouvé de candidat. Nous n'avons pas trouvé de candidat parmi nous. Alors, comme on ne pouvait pas rester là, on ne peut pas rester là, une association, sans avoir un leader. Nous nous sommes retrouvés. Οπότε βρεθήκαμε όλοι. Nous les membres actifs de l'association. Όσοι ήταν μέλη, ας πούμε, που κάνανε δουλειά που τρέχανε. Nous avons demandé l'avis de tout un chacun. Ρωτήσαμε ανάλογα με το καθένα ποιος νόμιζε ότι ήταν. Et finalement, on est parvenu à un accord pour la nomination pure et simple d'un élément. Και βρήκανε τελικά το άτομο αυτό που justement, par un décret de l'association, par un décret de la constitution. Nous avons nommé un coordinateur. Pour un mandat de 2 ans. Alors, pour ne pas y penser que ça, la nomination a été faite de 2 ou de 3 personnes, raison pour laquelle vous nous voyez tous ici ce soir, pour officialiser cette nomination, que ça soit au vu et au su de tout le monde. Alors, sans plus tarder, le leader de cette association qui a été désigné comme coordinateur national pour un mandat de 2 ans a été choisi non seulement pour ses compétences, pour sa rigueur dans le travail, pour l'affection qu'il a vis-à-vis de tous les Guinéens, raison pour laquelle il a été nommé à la tête de l'association pour un mandat de 2 ans. Alors, ce monsieur, je vais vous le présenter. Il va procéder à la prestation de serment. Et éventuellement, nous allons procéder maintenant à la décoration ou la surprise qui a été réservée au président sortant que nous allons vous présenter aussi. Alors, le coordinateur général, je le nomme monsieur Kaba Mohamed Lamine. Félicitations. C'est ça. Bravo. Félicitations. Merci. Alors, monsieur Thomas, en question, c'était là la présentation du coordinateur. Il est dans nos coutumes ou dans notre règlement intérieur.
Είναι στη συνήθειά μας και στο. Que chaque personne qui sera à la tête de cette association ότι κάθε άτομο που θα διοικεί αυτή την οργάνωση doit prêter un serment. Πρέπει να δώσει όρκο. Pour dire qu'il est prêt à servir l'association. Για να ορκιστεί ότι είναι έτοιμος να υπηρετήσει. Pas pour ses intérêts propres. Όχι βέβαια για τα δικά του ωφέλη. Mais il se met à la disposition de l'association. Αλλά να είναι αυτός έτοιμος να για την οργάνωση. Pour défendre la cause de notre cher pays. Pour sauvegarder l'image de notre patrie. Και για την εικόνα της πατρίδας. Alors, Eva, je vous ai donné le papier. Oui. Ok. Allez-y. Vous mettez au bon milieu. Comme c'est de notre habitude, allez-y. Toujours, il faut commencer par Ouzubilel Nachetan Radim. Devant le peuple souverain de l'IRGG, je me trouve actuellement, Union des ressortissants guinéens en Grèce. Moi, Lamine Kaba, coordinateur général, je jure solennellement sur l'honneur de respecter et de défendre fidèlement la Constitution, de protéger les droits et libertés des citoyens et de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans l'intérêt supérieur de notre association. Que le peuple me retire sa confiance et que je subisse la rigueur des lois si j'ai trahi mon serment. Okay. Tu le jures? Je le jure. Alors, j'ajoute, je me permets d'ajouter. Non, mais. Je me permets. Je me permets d'ajouter combien je suis heureux ce soir de retrouver mes frères et nos invités, honorables invités parmi nous. Je suis heureux à la fois que les autres Guinéens aussi feront de même de rejoindre cette association qui nous appartient à tous. C'est ce que je disais hier quand elle était à l'université pour l'anniversaire de l'indépendance du Sénégal. Je disais qu'il ne faut pas qu'on se réunisse seulement parce que l'un de nous a un problème ou l'un de nous est décédé, mais nous devons nous réunir aussi pour nous les vivants. Et cela ne peut se faire que dans l'unicité. Je vous appelle tous de rejoindre l'association. Je vous commissionne, je vous rends messager tout ceci pour tous nos frères qui ne sont pas là ce soir, de leur faire comprendre l'importance de l'unification des Guinéens en Grèce. Il est très important pour nous, surtout sans ambassade dans ce pays, nous sommes livrés à nous-mêmes. Cela doit nous encourager de nous serrer la main, l'écoute, pour en savoir de nos nouvelles, au moins une fois par mois, que chacun se donne ce temps de se présenter à l'association. Et de s'acquitter aussi, parce qu'il ne suffit pas de se présenter seulement, de s'acquitter ce qui est le droit de cette association. Et l'association également doit s'acquitter de ce qui est le droit à leur droit. Chacun a ses droits dans cette association et cette association doit rendre le droit de chacun
le plus important. Alors, je ne vais pas aller loin, puisque nous avons beaucoup à dire. C'est pour dire que je suis très heureux. Et je vous demande tous de m'aider. 2 ans, c'est pas petit, hein. Mais si vous venez avec moi, on travaille ensemble, j'en suis sûr, nous allons arriver. Les deux ans, ça sera très très court pour arriver aux élections pour mettre un président en place. Mais tant qu'il n'y a pas cette collaboration, je viens de vous citer dans quelles conditions j'ai été nommé. Alors nous ne voulons pas revoir ça, nous voulons encore avoir un nouveau président à la tête de cette association. Démocratiquement élu, par suffrage universel. Alors je vous interpelle tous d'être là, que ça ne soit pas pour ce soir aujourd'hui seulement, que ça soit une habitude pour nous tous. Wassalamu alaikum. Alors mes chers frères, vous avez entendu brièvement l'intervention de notre cher coordinateur, M. Kavar Lamine. Nous allons procéder au deuxième point, qui est la surprise qui est réservée à l'ex-président sortant que je vais vous présenter tout à l'heure. Il s'agit de M. Talaïro Diallo, qui a servi cette association. Il peut se mettre au milieu. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, mes chers frères, tu peux traduire. Ce monsieur que vous voyez devant vous nous a dirigé pendant 6 bonnes années. Dans le succès. Dans une transparence totale. Bravo. Alors, nous lui devons beaucoup. Comme lui aussi, de son tour, il nous doit beaucoup. Alors, si la vie, c'est un aller-retour, alors il est de notre tour aujourd'hui de l'honorer. De le compenser. Pas seulement parce qu'il s'appelle ce qu'il est, parce que seulement il est ce qu'il est, mais de ce qu'il a pu faire. Diriger pendant 6 bonnes années, s'il n'était pas bon, il serait parti au bout de 6 mois. Alors nous l'encourageons. Nous le félicitons, nous le remercions, que Dieu le paye. Alors à nos chers invités, je vais donner la parole, pas la parole, mais l'honneur à notre cher frère Petros, que nous chargeons d'ouvrir l'enveloppe qu'il a et de regarder le contenu et chercher à se joindre à nous pour pouvoir honorer notre cher président sortant. Ron, bravo. Bravo, coda. Ça c'est après ensemble. Après on prend tous. Comme les invités vont partir. En photo et bien. Vale na cara que la nueva panda bueno. Lo mundo sin.